Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo assez courte pour vous montrer pour vous montrer comment sauvegarder votre compte sur votre compte Google Plus. Donc à quoi vous allez dire, à quoi ça sert? Ben c'est très simple en fait. Si par exemple votre tablette a crash, par exemple elle tombe en panne ou vous la cassez, par exemple tout ce genre de choses, ou par exemple vous routez votre tablette et du coup vous n'avez plus votre compte parce que vous n'avez plus de compte Google, donc vous n'avez plus de compte et vous recommencez le jeu à zéro. Et bien à ce moment-là, si vous avez sauvegardé votre compte sous votre compte Google Plus, et bien vous pourrez vous connecter partout avec votre compte Google Plus sur Clash of Clans. Donc en fait c'est vraiment pas mal du tout, et c'est pareil pour ceux qui sont sur sur l'Apple Store, donc voilà, chez Apple c'est exactement pareil. Vous allez là dans les réglages quoi, et ensuite vous allez dans connexion Google Plus. Donc moi d'ailleurs je suis même pas connecté, mais il faudrait que je le fasse d'ailleurs parce que sinon je vais les perdre. Donc voilà, j'ai arrêté la musique d'ailleurs, ouais. Donc voilà, juste à cliquer ici, connexion Google Plus, vous vous connectez, ça va vous connecter à votre compte Google Plus, et ensuite comme ça vous pourrez vous connecter n'importe où, même sur une tablette de votre ami, ou voilà une tablette de votre ami qui est sous Android également, parce que sinon on peut pas passer de Android à Apple. Donc ouais, de Android à Apple on peut pas, il faut, parce que c'est un compte Google Plus, alors que sur le Apple Store je crois que c'est un compte ben c'est un compte chez eux en fait, c'est un compte spécial. Donc vous avez, donc eux c'est avec Apple, de toute façon c'est sauvegardé automatiquement je crois, il me semble, mais chez Android en tout cas il faut vous connecter au compte Google Plus, sinon vous pouvez perdre toutes vos données. Voilà, utilisez la connexion Google Plus pour sauvegarder votre progression, excusez-moi, et jouer sur différents appareils Android. Donc c'est ce que je vous disais. Donc en fait voilà, vous pouvez jouer n'importe où si vous sauvegardez votre compte avec le Google Plus, avec Google Plus. Et en plus de ça, si par exemple votre tablette foutre, oula, excusez-moi, votre tablette crash, ou si vous voulez router votre tablette et que vous perdez toutes vos données, et bien à ce moment-là, comme vous avez associé votre compte Google Plus à Clash of Clans, et bien vous pouvez vous reconnecter avec votre compte Google Plus, Google même, et vous aurez votre village comme avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très courte, on m'avait demandé à plusieurs reprises, quelqu'un me l'avait demandé à plusieurs reprises, en me disant comment on fait pour sauvegarder son compte, parce que aussi voilà, si vous changez de tablette, parce que par exemple la personne vendait sa tablette pour acheter notre tablette, et je lui ai dit bah, au pire des cas, parce que moi je savais pas comment faire avant, je lui ai dit au pire des cas tu associes ton appareil avec l'autre, et il m'a dit non, parce qu'en fait je dois vendre la première pour acheter la deuxième, parce que sinon je n'ai pas assez d'argent pour acheter la deuxième. Et donc voilà, maintenant vous pouvez, donc c'est pas depuis très longtemps hein. Depuis 3 mois je crois à peu près, c'est pas énormément longtemps pour Clash of Clans qui existe depuis presque 2 ans et demi. Donc voilà, voilà, vous pouvez vous connecter maintenant. Donc voilà, si par exemple vous comptez vendre votre tablette, vous enregistrez votre compte avec votre compte Google Plus, et vous attendez votre prochaine tablette à Noël par exemple, et là vous vous connectez à votre compte Google Plus de l'ancienne tablette, et vous aurez votre compte Clash of Clans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très simple et astuce pour vous montrer comment sauvegarder votre village en toutes circonstances, s'il y a des bugs sur votre tablette, iPod, iPad, téléphone, voilà. Bref. Allez, à plus.